Bonjour, bonjour, c'est Aigon. Bienvenue dans ce nouveau live Neverwinter. On approche doucement mais sûrement du level 20. Permet au porteur de consulter les recettes en fonction de n'importe où. On peut pas l'utiliser par cette là. Méfiez-vous des fissures remplies de peste feu. On va essayer. Ok, attends, je suis où là? Ah oui, c'est vrai. Endroit. Je pensais que j'étais autre part. C'est ma projection astrale que vous voyez devant vous. Bien que je ne sois pas physiquement là, je vous vois et vous entends parfaitement. Ces grottes marquent la limite de mes recherches dans le gouffre. J'avais commencé à étudier les formations de cristaux inhabituelles dans ces cavernes, mais les attaques de créatures pestiférées m'ont poussé à me retrancher dans la tour de divination. Je pense que ces cristaux ont le pouvoir de retenir l'énergie de la mage peste. Si c'est le cas, ils sont la clé de notre salut ou de notre destruction. Récoltez quelques échantillons de cristaux afin que je puisse les examiner à travers ma projection astrale. On va essayer. Laverne de cristal. Des cristaux là, je sais pas. Pas une cible. Bon, les notifications de machin là, je m'en fous.
pas saute. Registre voleur. C'est la peur. Pas d'honneur chez les voleurs, c'est là vous accorde. Retrouver les biens d'une voleuse. Eh bien, ces quêtes, pas par hasard, même si c'est une quête de pas grand chose. Ah, c'était juste ça en fait. Potion de déviation et péridonte. Ok, c'est deux.
Un feu de camp sur... Ok. Là. Te crame pas le cul. Là, j'ai pas visité tout ça. Hein. Ah, j'ai pas eu le temps de voir qu'est-ce que je gagnais. Là, il y a un truc pour plus tard. Récompense. Le succès, mais je sais pas où c'est. À tous les coups, il y a une quête qui va me dire de revenir dans le coin. Derrière moi que j'ai pas vu. Amen Christ. Très bien. Mes recherches sur les cristaux de test que vous m'avez apportés confirment mes soupçons. La source émanerait de ce rocher brillant dans la région du sanctuaire à Pire. Il est temps de pousser encore plus loin mes recherches. Je vais envoyer ma projection astrale dans la région des abords délabrés qui se situe près des cavernes de cristal. On va retourner au même endroit.
Je vais devoir aller rebattre le... Je viens de battre le monstre Oriflamme ou je sais pas quoi. L'air de celui. Vous vous tenez au seuil du sanctuaire impie. Voilà en effet une bien inquiétante menace. Les répugnards se regroupent en grand nombre aux abords délabrés. En voyant leur comportement, il est clair qu'ils sont venus pour vénérer le sanctuaire impie dans une grotesque parodie de pèlerinage. Leur présence alimente une sorte de barrière dans le sanctuaire, particulièrement renforcée par les contons pestiférés. Si nous voulons faire toute la lumière sur cette affaire, nous devons accéder au sanctuaire impie et mettre un terme à la source de la corruption, quelle qu'elle soit. Éliminer les gloutons et entrer dans le sanctuaire impie. Un esprit asservi est invoqué à la mort de chaque cible affectée par votre malédiction. Donc faut déjà un truc de malédiction. Là. Il reste des sphères activées à nouveau sur moi pour envoyer l'ennemi. Ça peut être pas mal. On approche du level 10. Allez où ? Par là. Vaincre le répugnant. Le pignard. Faut baisser.
Super impie. Merci l'immortel. Entrer dans un temple impie. Pas très joli, hein. Merde. J'utilise même pas ces trucs là. Précision, défense. Un trou.
améthyste, un paquet. Que ça me dit pas volant. Niveau qui aucun. Ouais, je sais pas si ça sert à quelque chose tout ça. Et en fait, on a besoin pour autre chose. Le bouton. La source corrupte. Détruire les cristaux.
Et du feu bleu. Le gouffre repère s'est fait. Normalement, il me reste encore une zone. Et après, normalement, on est level 20. Ce lieu est imprégné de l'essence de la folie. Vous avez détruit l'œil du feu bleu. J'ai ressenti une perturbation des énergies chaotiques tout à l'heure, lorsque vous vous trouviez encore au sanctuaire impie. Je pense que vos efforts ont mis un terme au mal qui s'y trouvait. Excellent travail. Alors, attends. Regarde, niveau 17. Pack d'un signe de choix. Bon, non, moi j'ai pas débloqué quelque chose parce qu'il y a le feu sphère infernale à la place de ça là. Ça aussi, machin de malédiction. Malédiction du son. Attends, malédiction du sorcier. Attends, malédiction, ça là. Ah, ça là, ouais, ok. Vu que je l'ai pris, logiquement il faut le prendre aussi. Quel sombre secret se cache ici?
Au-dessus de vous se trouve le terrible sanctuaire impie. Saut de préservation. Grâce à vous et à vos efforts dans le gouffre, les citoyens de Neverwinter sont en sécurité. Et je vais pouvoir poursuivre mes recherches sur la masse. C'est pour prendre un ou deux trucs. De plus, vous avez redonné espoir à la brigade des scarifiés. Je pense qu'il est temps pour vous de retourner voir le sergent Knox. Il voudra sans doute en savoir plus sur les découvertes que nous avons faites ici. À partir de là, pourquoi ? Je comprends comment ça fonctionne en fait. C'est là que ça me... Voilà, ok, ça m'entoure et ça... aussi le machin pour garder mon invocation là à côté de moi en fait. Attends. La brise transporte bien des secrets. Non, ça me met... Avez-vous récemment obtenu des sceaux de l'aventurier ? J'ai... Ah, ça donne... Équipé de 800, et là, ça me trouvait 950.
chemin d'assaut du guerrier. Voilà, c'est carrément 1000. Et ça me donne. On enlève la résistance au coup critique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, j'ai le chapeau, la robe. Par contre, là, c'est la lame, c'est la cible vagabond. Là. Là c'est les gabagons. Là, chapeau puissant. Et là, j'ai les deux premières. C'est un sens, ça m'enlève quand même. J'ai pas les choses, j'ai pas le pantalon. Ouais, ce qui manque, ouais, c'est ça. Mais attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas d'autres. J'ai l'impression qu'il est peut-être dépensé pour pédale en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'enclave du protecteur a besoin de votre aide. Je vais être honnête, si cela ne tenait qu'à moi, nous ferions encore plus pour la brigade des scarifiés. Mais là-haut, il semble penser que le capitaine Markaff et ses hommes sont juste de la chair à canon. C'est honteux. Mais on dirait bien que vous avez fait le maximum ici. Bon travail. Écoutez, il est temps pour vous d'en apprendre plus sur des objets magiques aussi anciens que puissants, les artefacts. Vous devriez rendre visite à Tarun Delmiref. Il a découvert l'emplacement de certaines de ces reliques, et il craint que d'autres chercheurs animés d'intentions moins nobles ne les trouvent avant lui. En ce qui me concerne, je préfère amplement voir quelqu'un comme vous manier ces puissants objets plutôt qu'un magicien rouge ou un fanatique. Quoi ça ?
Artefact. Et lorsqu'ils sont portés à même la peau, les filtres le long de l'un possèdent des propriétés. Dans un combat, il jettera une dangereuse. Ah, c'est un marchand. Ouvre un portail pour un marchand à monture ou pas. Il doit vendre, d'accord. Ensemble de grands protecteurs. Cap, artefact, artefact. 2 pièces plus 1% de défense, 3 pièces plus 10 000 points de maximum de vie en plus. Pareil, il y a... Ah non, c'est un ensemble de grands protecteurs. Ah non, c'est un ensemble, ah, d'accord. Bienvenue, bienvenue. Ah oui, je vous attendais. J'ai découvert l'emplacement d'une cachette d'artefacts précieux dissimulée il y a bien longtemps. Selon mes sources, ils étaient enfouis dans les profondeurs de la chambre oubliée. Il ne sera pas facile de récupérer ces artefacts. Leur ancien propriétaire était un excellent magicien qui n'était pas un ami de Neverwinter. Et il est certain qu'il a préparé un endroit sûr pour ses biens les plus précieux. Vous pouvez aussi vous attendre à rencontrer de terrifiants gardiens. Enfin, ces artefacts sont enfermés dans un coffret scellé par magie. Les défenseurs de Neverwinter ont grand besoin d'artefacts de ce calibre. Si vous retrouvez le coffret, je pourrai l'ouvrir. Revenez victorieux. Et l'un des artefacts sera à vous. Oui, un des trois qu'on a vu, d'accord. Pénétrer dans la chambre oubliée. Ah, attends. Ah, c'est là. Oui. Ça me fait peur. Ouais, je suis pas sûr que les boules fassent beaucoup de dégâts là.
Chercher le coffret scellé. Ah, ce serait là. Ouais. Hollandus Gragmir. Je savais qu'un jour un Nogmanite son armure est pas mal. Découvrir le secret de la chambre oubliée et voudrait me ravir les plus grands trésors de la famille Kragmir. Vous avez prouvé votre valeur en venant à bout de mes gardiens. Mais votre esprit est-il aussi aiguisé que vos lames? C'est pas sûr. Dites-moi un truc. Quelle fut la cause de la destruction de la noble maison des Kragmir? Alors là, les bandits, les armées de Neverwinter, une peste magique. Là, tu disais qu'il n'était pas ami avec Neverwinter, il me semble. Des combats pour avoir davantage de calories. Ouais, mais je sais pas, j'ai pris la peste, il m'a pas dit c'était bon ou pas bon. Ok. Donc logiquement j'ai un des trois qui est en... Allez voir ton... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est en effet le coffret que je vous ai demandé de trouver. J'ai accompli un rituel qui m'accorde le pouvoir d'ouvrir les coffres scellés par magie. Voyons voir ce qu'il renferme. Comme prévu, de puissants artefacts.
Et comme promis, vous pouvez en choisir un. Choisissez avec soin. Alors attends, la lanterne. Proche et augmente les dégâts qui subissent le 2%. De plus, vous pourrez voir les cibles 10 pieds plus loin. Là, c'est un marchand. On va vendre. C'est un consommable, apparemment. Boutique consommable. Tout effet de dégâts continue, tel que le poison. Voilà. Entre ça et ça, en fait. Là, ça fait plus de dégâts. Ouais, je trouve que je fais pas mal de dégâts déjà. Parler à l'écurie. Là, logiquement, l'artefact, je dois l'avoir dans l'amélioration. Non, il est là. Et comment ça se passe? Vous soigne. Pendant 6 secondes, il supprime tous les effets des dégâts d'une. D'accord. Et comment ça fonctionne? Je sais pas. Vos ennemis proches vous soignent à hauteur. Ah oui, j'ai deux trucs qui me soignent. Ah oui, d'accord, merde, j'ai pas. J'ai deux trucs qui me soignent en fait. À hauteur de machin. Ah oui, d'accord. Je commence à zapper. Oh, tant pis, c'est fait. J'ai deux trucs qui me soignent. Ah, attends. Parler à l'écurie. Salutations. Les montures constituent une part importante de l'attirail de l'aventurier, en particulier lorsqu'elles portent des insignes pour donner un coup de pouce à votre efficacité. J'aimerais que vous fassiez démonstration de votre capacité à améliorer un insigne de monture. Pour ce faire, prenez simplement cet insigne en bois, améliorez-le et rapportez-le-moi. Moi, je vais essayer. J'ai reçu. À une monture. Non, c'est là. Retirer sublimation. Ah oui, quand même. Vous cherchez des réponses, vous vous adressez à la bonne personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, il y a marqué améliorer la monture. On est amélioré. On est d'acier équipé.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Ah oui, c'est sublimation. Je pensais que ça allait le transformer. Moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voyons comment vous avez progressé dans votre tâche. C'est un travail convenable et fera un formidable presse-papier pour Tarun et moi. Comme vous avez prouvé votre utilité, veuillez prendre ceci en gage de votre réussite. Merci. Un assigné. Viens tout par là. Rouge. Esquive, barbelé de talent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Retour du champion, lorsque vous avez moins de vos points de vie, un effet de soin continu et votre vigueur se régénère. Donc ça, tout ça se cumule en fait. Tous les effets que j'ai là se cumulent à moi. Faire peut-être. Bon, attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, cumulez un petit peu quand même. Bonjour. Avec vos nouvelles connaissances des artefacts et montures, vous êtes tout à fait en mesure d'appréhender la prochaine tâche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, un pack d'enchantement rang 1. Pack d'assigne épique. Ah, ça c'est les recommandations, ça. Ah oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you.
Là, c'est un peu au hasard, en fait. Hein. Ouais. On peut le voir. Un peu au pif. Au maître. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vert. Attends, est-ce qu'on peut remplacer les verts? Là, avez-vous entendu parler de la guilde des guides de l'Underdark? C'est un groupe de spécialistes conduisant des expéditions dans le royaume de l'Underdark. Le bruit court qu'ils demandent à des aventuriers de leur venir en aide dans la zone appelée le Northdark. Vous devriez aller voir. Ça a l'air d'être dans vos cordes, non? L'appel a été lancé par Devlin Hoss, un de leurs guides. Commencez par le trouver. Outre-terre. Ah, c'est les prouesses, pardon. On va lire. Donc ça, auto-murmure. À 22 000. Mais écoutez. Je vais faire une petite pause et je vous dis à tout de suite. See the fire in your eyes. See the fire.
day is done, time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. C'est parti pour la dernière zone, normalement avant le level 20. Bien ça. Bonjour aux trois personnes qui sont là, si vous n'êtes pas des bots. Non, la grotte au murmure là. Allez. Donc là j'ai 3 levels à passer. 18, 19, 20. L'Underdark connaît des milliers de façons de tuer ceux qui ne sont pas préparés. Donc vous êtes là pour nous aider. Personne à la surface ne connaît le North Dark aussi bien que la guilde des guides de l'Outre-Terre. Mais quand nous avons des problèmes, nous faisons généralement appel à des renforts. Des aventuriers expérimentés tels que vous. Les drones ont enlevé nombre de nos guides récemment. Et nous faisons tout notre possible pour les récupérer. Peut-être pourriez-vous nous aider à faire nos préparatifs. Et nous avons le... La zone des grottes verdoyantes est comme une oasis dans un désert. Les vagues de mâche-feu fournissent suffisamment de lumière pour permettre à la végétation de proliférer. C'est pourquoi nous nous sommes installés ici, malgré la présence d'une colonie d'eau abandonnée à proximité. Malheureusement, ces derniers sont revenus et ont capturé certains de nos éclaireurs. Nous élaborons un plan pour secourir nos camarades prisonniers. Si vous trouvez les clés des cellules en chassant les drôles de la zone, nous aurons de grandes chances de les sauver. Tout le camp travaille de concert pour se préparer à libérer nos guides en captivité. Il me semble que notre rôdeuse Megan a besoin de l'aide d'aventuriers capables de résister aux drôles. Elle essaie de cueillir un certain type de baie dans les grottes verdoyantes. Vous devriez aller lui parler. Ok. Eh bien, c'est parti. Il y a plein de choses à manger dans les grottes verdoyantes. Si seulement on pouvait se débarrasser des drones. Je suis sûre qu'on va trouver le poisson.
que ça, je dois les utiliser ou pas? Là, j'accumule des trucs, mais je sais pas si je dois les garder pour faire autre chose avec. Alors ça. Ah merde. D'accord, j'ai mal lu. Bien, bravo. Bravo. Je ne pensais jamais me retrouver un jour responsable des provisions et herbes médicinales en rejoignant les guides. Mais j'étais rôdeuse pendant des années à la surface. Nous allons avoir besoin de provisions et de bonnes choses pour nourrir les prisonniers, une fois que vous les aurez secourus avec les guides. Lorsque nous avons découvert les grottes verdoyantes, j'y ai planté beaucoup de baies amères. Elles sont prêtes à être récoltées, mais les drôles de la zone m'en empêchent. Merci d'en cueillir le plus possible pour que nous puissions les offrir à nos prisonniers. Des cellules. Ah.
éclat d'exaltation. Bonjour aux personnes qui passent sur mon live, si vous n'êtes pas des bots, bienvenue à vous. Coffre des tueurs du dragon. Très bien d'avoir les clés aussi pour les ouvrir, ça. Encore deux. Poisson TB machin là. Ah, ça m'a gros de 15 km. Encore une. Merci les compagnons. Hein. Il n'y a pas de baie là. Qu'il y a des baies amères là.
Voilà, là c'est fait. Et les deux en même temps. Non, les deux mêmes rondes. Ok. Alors comme ça, vous avez rapporté de grandes quantités de baies amères pour le camp. Je sais que Megan l'appréciera. Je vais les lui apporter pour que vous puissiez vous consacrer à votre prochaine tâche. Grâce à ces clés, nous allons pouvoir secourir chacun de mes hommes. Vous avez également prouvé que vous étiez en mesure de survivre dans l'Outre-Terre. Au travail. Lorsque les drones ont attaqué, nous avions établi notre camp dans la colonie de Zesrena abandonnée. Ils n'étaient pas contents de nous voir dans leur ancienne ville. Plusieurs d'entre nous ont pu s'échapper grâce à notre chef, Mandrake Deepwise. Mais les autres, y compris Mandrake lui-même, ne sont toujours pas revenus. Je me persuade qu'ils sont en vie dans les puits d'esclaves des drones. Maintenant que nos préparatifs sont achevés, il est temps de repousser les drones et de libérer les nôtres. Je compte sur vous. Nous devons retrouver Mandrake et libérer tout ce que nous pouvons. Alors, attends. Il n'y a jamais assez de lumière pour lire ici. J'ai oublié. La viande d'araignée constitue un bon repas. Elle n'est pas tellement différente des pâtes de crabe, je vous l'assure. Les cartes illiquides sont juste impossibles à déchiffrer. Libérer les prisonniers. Passe la caméra. Parler pour toi la mort, non? Attendez-moi bien, changement là. Libérer les prisons. Thank you.
Après toi. Compris. Préparez-vous à mourir. Après toi, je t'en prie. Soupe de champignons, morceaux de champignons, champignons rôtis. Les prisonniers ont réussi à regagner le camp et tous chantent vos louanges. Je les ai envoyés à la surface. Il va leur falloir un peu de temps pour se remettre de leur supplice. D'après ce qu'ils m'ont dit, Mandrake a été transféré vers un autre Kandro, l'avant-poste Xorlarin. C'est notre prochaine cible. Laissez-moi vous jouer quelque chose. Il y a tant de nouvelles choses à apprendre ici. Okay. J'aurais espéré que Mandrake Deepwise soit parmi les prisonniers que vous avez sauvés. C'est une légende vivante pour la guilde. En temps normal, je me serais contenté de dire que c'était une honte de perdre un autre de nos guides sans plus en attendre. Mais Mandrake, nous ne le laisserons pas aux mains de l'ennemi sans combattre. Je suis sûr que les drôles ont conscience de sa valeur. À leur place, je l'interrogerai. Introduisez-vous dans l'avant-poste Xorlarin. Tuez tous les drôles qui se dresseront sur votre chemin. Et ramenez-nous Mandrake Deepwise. Mort rampante ou cadeau du bourreau? Eh bien, je pense que je vais en rester là. Je vais en rester là pour ce live. On doit libérer notre peuple des drones. Et on finira sans doute la zone à demain soir normalement. Pour ce, je remercie les viewers de l'ombre dépassé et je vous donne rendez-vous à un prochain live. Merci à tous et à bientôt pour la suite. Au revoir. That's the way.